Allez, on va s'occuper du futur maintenant avec Julien. On va jouer, alors c'est parti. Ou du passé. Ou du passé. On joue tout de suite avec Céline Monsara. On va essayer de découvrir de nouvelles choses. Oui, exactement. Donc on va se faire la bio de Céline Monsara. Je vous donne, tous les chroniqueurs et Jordan, des définitions d'actrices ou de personnages que Céline a interprété. D'accord. À vous de me dire tout simplement de qui il s'agit, ok? Alors on y va. Alors je crois qu'il y a des bêtes, enfin, ouais, les sons. Oui, si vous trouvez pas, il y a la petite musique indice. Ça va être facile. Alors... Elle drague son fils Marty en 1955 à cause d'un vieux fou dans une DeLorean. Oui, retourne les futurs. Eh, j'ai dit avant toi. On se calme, Silver. C'est un jeu, il n'y a pas de pognon à gagner. C'est retour vers le futur, comment ça s'est passé? Elle a peur maintenant, Céline. Elle a peur maintenant. Ça s'est très bien passé, c'est un très bon souvenir aussi. C'était elle. Bah oui. C'est énorme. Ouais. Mais oui, moi j'ai peur qu'il nous la kidnappe à la fin. Oh, c'est génial. Il va la mettre dans une camionnette et il va marquer en gros c'était elle. Elle est à moi. Deuxième définition. C'est une journaliste de dessin animé et même dans quelques films qui a quatre amis verts avec des carapaces sur le dos. Alors quatre amis verts avec une carapace sur le dos, Farida? À mon avis, hein. Oui. Tortue Ninja. Exact. Et oui, Tortue Ninja, c'est vrai. Bah oui, des carapaces. Faut pas se poser ça, sûr. Hein. Bah c'est sûr. Super, bah c'est bien, c'est déjà. Je dis que mon jeu, c'est de la merde, aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Et bon, vous avez vu? Céline fait la voix de cette petite fille aux cheveux longs et blonds avec une robe blanche, la seule fille. Ah, ils sont pas des merveilles. Mais tais-toi, je peux finir, bordel. La seule fille entourée que de mecs et ils vivent tous dans des champignons. Ah, ils vivent tous dans des champignons, ouais. C'est la seule fille. Ouais. C'est oh, la seule voix féminine. La Schtroumpfette. La Schtroumpfette quand même. Ah, la Schtroumpfette. Non, la Schtroumpfette. Oh, attends, Céline. Peut-être, Céline, attention avant de dire oui ou non. Parce que j'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Oui, c'est Schtroumpfette. Je l'ai dit avant toi. C'est moi. C'est énorme. Tais-toi. Elle est comment là, je trouve ça la fait rire, Céline. Non mais il est vraiment naturel. Alors Céline, par contre, c'est pas du tout un personnage. Je le dis à tous les gens qui viennent. Il est comme ça tous les jours. Il y en a beaucoup qui... Je vais prendre les plus connus, mais Anne Roumanoff qui s'est posé des questions, même Julien Courbet qui s'est dit s'il est vraiment comme ça, il est vraiment comme ça. C'est pour ça que je dis toujours la RATP, c'est normal, des fois il y a des soucis dans les. Ils sont particuliers, mais on les aime beaucoup. Hein. Ils sont différents, mais on les aime. C'était comment la Schtroumpfette? Comment elle parlait, Céline Monsara, la Schtroumpfette? Elle parlait assez. Elle était assez haute quand même. Oui. Ah oui, elle parlait comme ça. Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf. Ah oui, c'est très haut. Calme-toi. Vous pouvez nous dire qu'il y a Gargamel dans le coin? Bah, il est là. Oui, le problème, c'est que quand on a fait les Schtroumpfs, j'étais la seule à savoir ce qu'était un Schtroumpf, parce que tous mes petits camarades avaient dépassé la limite d'âge. Ah oui. Et le premier épisode, on l'a enregistré avec Peyo, donc le dessinateur, ah oui, sur le plateau. Et personne ne savait qui c'était. Et moi, ça avait un peu bercé mon enfance, les Schtroumpfs, enfin, en bande dessinée, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc c'était rigolo, parce que bon, il y avait Gérard Hernandez, Philippe Dumas. Ah oui, Albert tous les petits Rouge, jeunes. Voilà. Ah, jeunes. Ah oui. Allez, une autre question, Julien. Ouais, c'est la femelle kangourou dans l'univers de Winnie l'ourson. Ah, la femelle. Ah bah, c'est maman. Je vais pas aller plus loin. Maman, mais... c'est vrai. C'est pas de ma génération. Ça, au moins, il n'y a pas plus honnête. Céline, tu es l'arbitre, tu peux donner la réponse. Si tu Maman Kangou. Maman Kangou. Maman Gourou, pardon. Ah oui, Maman Kangou. Ah oui, peut-être une prochaine pub pour Renault avec Kangou. Kangou. Je roule pour Kangou. Oui, Maman Gourou qui ne fait que des cookies. Ah oui, c'est vrai. Je crois que Disney a une drôle image de la femme. Oh, on va en parler de Disney parce qu'il y a eu aussi un sacré personnage, notamment dans le monde de Nemo. On continue, Julien. Allez, avant-dernier. Donc, on cherche du coup une actrice doublée par Céline qui joue dans Les Experts, Hawaii 5.0 et Percy Jackson. Et même The Resident en 2018. Alors, ah, c'est qui a un nom grec, hein, je crois. Ouais. Ah oui, mais je comment pas s'appelle son nom. La belle brune aux cheveux longs. Canagaderes, c'est quoi là? Je ne prononce pas très bien. Elina Canadadry, non? Elle a un nom grec. Et pour finir, c'est la meilleure amie d'un petit garçon avec une queue de singe qui fait sortir des boules de feu entre ses mains. Oh là, c'est... Ah oui, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Shlupunami, là, je pense que ça s'appelle, là, que ça ne rentre plus, là. Le marsupilami, non. Ça s'appelle pas Sangoku. Sonic. C'est Sangoku, ouais. Eh oui, c'est la voix aussi. Mais ouais, exactement. Oh, un homme. Calme-toi. C'est super. Non, elle fait la voix de Bulma. Oui, c'est génial. Vous pensiez avoir tout vu? Préparez-vous à tout entendre. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Et vous?